Hey, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série. Alors, ça fait un bout de temps que je commençais par baisser le son. Ça fait un bout de temps que j'avais pas fait d'épisode parce que j'avais du matos un peu tout pourrave. Et voilà, vu que c'était bientôt mon anniversaire et que j'ai toujours un son méga fort et que j'allais avoir un nouveau micro pour pouvoir enregistrer. J'ai décidé d'attendre en plus avec toutes les updates qu'il y avait. Allez être obligé changer de monde, recréer tout ça. Donc j'ai attendu que ça redevienne un peu plus stable, ce qui me semble être le cas. Et voilà, donc on va commencer un nouveau monde sur lequel on va se tenir. Auquel on va se tenir et on va essayer de mener ça à bien. Je vais commencer par récolter un tout petit peu de bois. Et ensuite, on va aller faire un petit tour du monde qui nous entoure pour essayer de trouver un point où on va pouvoir se poser. Là-bas, ça me semble pas mal. On va commencer par marcher quand même un petit peu. Faudrait que je trouve du fer assez rapidement pour pouvoir me faire un lit sans tuer tous les moutons. Tac. Une pioche. Allez, pas du tout. Voilà. Une pioche de départ. Et on va partir en exploration. Allez hop. Pine forest. J'aime pas trop les pine forest. Les arbres sont grands, sont chers à couper. C'est tout plat, on n'y voit rien, on se perd facilement. Je voudrais des montagnes, si c'était possible. En plus, le vert de l'herbe est moche. Et ça, c'est pas cool, parce que j'aime pas les verts d'herbe moche. Une plaine, ça peut être un peu plus intéressant. Une plaine, pas de montagne. Ça serait cool qu'il y ait des montagnes ou des marais. Parce que de la plaine, on pourra trouver plein d'animaux. Ça va être cool. Par contre, il va falloir que je me trouve un peu de charbon assez rapidement. Pas une forêt qui continue sur la droite. Beaucoup d'animaux. J'aurais préféré des vaches. C'est plus cool les vaches. Ça te lâche plus de trucs. Mais il y a énormément d'animaux. Et j'ai comme l'impression que nous avons un petit village. Alors depuis la pré-release... Ah, nickel. Bon, on va se setup ici. C'est pas l'idéal, j'aurais bien aimé des montagnes, mais bon. Ça, c'est cool aussi. Alors j'ai comme l'impression que depuis la 1.4, il y a beaucoup plus de villages. Donc ils ont été un peu améliorés aussi. Oui, ils sont un peu plus grands. Mais surtout, on les trouve beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est cool. Et ça nous donnera un point de chute si jamais... Salut! Salut! Ouais. T'es moche, toi? Oui, je sais. Ça nous donnera un point de chute si jamais... voilà. Pourquoi il y a un cube de terre ici? Salut! C'est pas très éclairé chez toi. Bon, continue à... De l'herbe sur du gravier. De l'herbe sur le gravier, c'est tout à fait logique. Ok, donc ça c'est cool qu'on ait trouvé un village parce que on pourra manger déjà, et ça c'est cool de pouvoir avoir à manger assez rapidement. Ça nous évitera tout un tas de trucs, même si leurs trucs sont pas terribles. Bon.
Déjà, on a un petit morceau de pain, ça c'est cool. Est-ce que vous croyez qu'il y a un lit quelque part par là? Est-ce que vous croyez qu'il y a un lit dans une des maisons? Je ne pense pas qu'il y ait de lit. On est déjà allé ici. Voilà. Une jolie table. Un petit bar. Bonjour, je voudrais un verre d'eau. Non, il a l'air de dire non. Deux verres d'eau? Non plus. Bon, je squatte un peu. Et je vais me faire un bout de pain parce que je suis déjà en train de perdre deux. Voilà. Voilà. Allez, dégage. Dégage! Je suis enfermé. Ok, très bien. Je suis enfermé. Bon. Alors, on va dire que ça sera notre demeure. On va les laisser ouverts. Laisser la porte ouverte pour qu'ils s'en aillent. Voilà. Allez-vous-en. Et voilà. Oh, cool! Ça bute. Je voulais des montagnes. C'est nickel. C'est parfait. C'est pile l'endroit que j'avais envie. Une énorme plaine. Et des montagnes à côté. Alors. C'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Ah, il y a déjà des trucs qu'on a fait ici. Je vais replanter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. C'est que je vais aller essayer de mettre les poules dans l'enclos qui est derrière la. Derrière ce que je considère comme ma maison maintenant. Donc, première chose à faire. Une fence gate. Voilà, on va faire une fence gate. Ça va être cool. Récupérer ça. On va casser ça. On va mettre une fence gate à la place. Et on va attirer les poules ici. Je vous récupère quand c'est fait. Ok, donc on est de retour. Je me suis construit un petit lit. J'ai un peu triché parce que j'ai piqué les laines qui étaient sur le dessus des poteaux là, qui servaient à faire les lampadaires. Voilà. Mais j'ai finalement réussi à créer ma petite ferme avec un petit bébé poulet. Vous voyez comme il est mignon? Comme il est mignon. Voilà, donc on a un petit bébé poulet, deux vaches. D'ailleurs, tiens, on va les faire se reproduire. Come on. Daisy. Et voilà. Et on va voir un bébé vache. Mon bébé vache. Bon. Voilà. Donc j'ai eu quelques petits problèmes. Donc il y a plusieurs creepers qui sont passés par là. Certains qui sont passés par là, qui ont explosé un peu tout ça. Et voilà, donc il y a plein de trucs qui ont explosé, j'ai détruit la moitié de la ville, je pense. Je fais un peu d'aménagement de terrain avec l'aide de Creeper. Et voilà, donc je vais vous montrer l'état d'une ferme à blé. Voilà, jolie ferme à blé, tiens, je vais récupérer ça. Bon, je pense qu'on peut la détruire complètement. Voilà. Et donc j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un petit coffre, un petit lit, comme j'ai dit, et j'ai été récolter du bois. Voilà, donc j'ai récolté un peu de bois, j'ai récolté un peu de blé, j'ai tué quelques creepers, et j'ai fait des fence gates. On va faire le truc de derrière. Là, on a une fence gate ici. Allez. Voilà. Et en allant couper du bois, je me suis rendu compte que ouais, j'ai ouvert ça parce qu'il y a un testificate qui a été tombé à l'intérieur et qui ne pouvait plus sortir. Donc en allant... Non, je vais poser mes crapes là. Et je vais prendre... Tac, tac, tac. Ça, on s'en fiche. On va prendre du bois. On va prendre ça. Ça, c'est cool. Ça, on s'en fiche. On regarde un peu. Ça s'en fiche, ça s'en fiche. On va garder les... ça et voilà. Et des bâtons. On a du bois, mais bon.
Ok. Et donc en allant couper du bois, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que j'ai trouvé une petite caverne par là-bas. Il y a des animaux partout, ça c'est trop cool. Hop, un œuf. Voilà, donc il y a un début de réseau de cavernes qui commence quelque part par là. Voilà. Par ici. Et donc on va aller commencer à explorer ça. Histoire de se faire un peu de... Oh! Creeper! Je trouve qu'en hard, les explosions sont vraiment vraiment difficiles à éviter. Genre, il faut vraiment être loin pour que ça... Ok. Cool. Le réseau de cavernes. Ça va. Pas foulés. Mais bon, il y a deux entrées. Donc il y en a une là. Je pense que celle-là, elle mène pas grand-chose non plus. Voilà. Donc ce n'est pas un réseau de cavernes. Prions pour que celle-là soit plus intéressante. Elle a l'air. J'entends des trucs sur la gauche, un peu. Allez. Manger. Ah oui, j'aime bien. La pré-release 4 fournit ses petits effets quand on est à faim. Ou quand on a des... Moi, je suis un peu empoisonné là, en fait, c'est ça. Ok. Oui, il y a les petits effets comme ça qui sont mignons. Alors, un peu de coal, il nous faudrait. Je vais repasser en molly. Parce qu'on voit pas très bien sinon la façon dont sont éclairés tous les trucs. D'accord, mais on n'y voit rien du tout. Du coup, un peu de charbon, ça aurait pas été de refus. Parce que là, je me retrouve avec 5 torches. Et je pense que voilà. Hein? Avec 5 torches, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. On a du fer, mais on n'a pas de charbon. Je veux du charbon. Cool, du charbon. Ok. Donc on va essayer de prier pour que y a rien qui nous arrive sur la gueule. Ça marche au-dessus, mais je pense que ce sont les poulets. D'ailleurs, je pourrais faire un truc plus intelligent que ça. Ah, c'est peut-être pas très intelligent en fait. Je pensais que... Ouais, bon, ok. Tant pis. Donc voilà. Donc là, on a 4 charbons, ça c'est cool. On va pouvoir faire un peu plus d'exploration. Ok. Ok, très bien. C'est vide. Ah, ça continue par là. Cool. Un spawner de je sais pas trop quoi, de squelettes. Cool. C'est bon ça. C'est bon ça, un spawner de squelettes. Oh, allez. Reviens là. Tac. Wow, cool. Est-ce qu'il nous reste un peu de charbon? Non. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Ok. Un seau. C'est pas mal. On n'en avait pas encore. Plein de seaux. Ok. Donc on va arrêter l'épisode ici. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine.